Qui est Feka, mais c'est une map cool. Ouais. Il reste 300 HPT, hein. Mouche ou T2? Si j'ai une île, le mouche peut être pas mal, mais souvent ils ont beaucoup de res, feu. Donc parce qu'ils sont terre ou eau, donc ils ont des res feu. Donc on va y aller au T2. Il a l'ini, ça veut dire qu'il a plus de 4000. Ah bah c'est Shuna. Forcément Shuna, il a un cougnard. Ouais, Shuna. Ah, il n'y a plus de respect là. Pensez qu'il me termine là. Impossible. Il reste 7 paires et moi 1400. Pas loin en vrai. Hein. Et la roublardise. Ça va être sur une roublardise à 4 entrées. Oh, il a tenté de brine. Bien joué, Shuna. Bon farm. Je sais pas c'est quoi mon prochain perso farming. Le Roub, je pourrais jamais gagner farming avec, mais c'est vrai que c'est un perso que j'aime bien en ce moment. Pourtant, ça partait mal, le Roub. Hein. Oh, je kiffais tellement pas les premières games en Roub. Horrible, horrible. Comme quoi, c'est comme une série. Hein. Des fois, tu t'attaches pas au début, et après, une fois que tu comprends le personnage, c'est kiffant. Bah, le Roub, c'était mon cas. Maintenant, le Roub, c'est marrant. Maintenant, et ouais. Ouais. Ok. Dac. Mais tu peux pas gagner un farmizome. Parce que tu mets trop de temps en setup. Jamais tu feras de T2. Personne suicide. Alors ça, c'est un ancien mec d'une... Bah, c'est une ferme, en fait. Ça, c'est une ferme. Et ça, c'est un de leurs anciens effectifs, du coup. On parle d'effectifs, hein, on parle plus de perso. Qui jouait Pritek d'Origami. Donc ça me fait bien marrer de les défoncer aujourd'hui. Leurs persos ont dû perdre de la cote. Mais c'est ce que je disais. Il y a plein de mecs qui étaient avec leur Pritek que je ne croise plus en colis. Je ne les croise plus. Des mecs qui se prenaient avec leur Pritek, qui combat sur combat, gagnaient avec genre 500 points de vie à la fin et qui se permettaient de faire des tontes, bah je les vois plus en fait en farm 189. C'est parce que ça a trop vite pour eux maintenant. OT2? On peut tester un OT2, ouais. On peut tester un OT2. Dans les coms. Ah, faut parler. Tu peux envoyer le lien à Trey. Bah attends, je l'ai. Ouais, voilà, ce capi l'a envoyé. Là, vous pouvez gagner un bouclier Reddit si on a 10 qui sont à gagner apparemment. Oh, il m'a défoncé. Attends, il a joué comment? Banqueroute, abattement. Ah, d'accord. En fait, il m'aurait tué. J'ai mis ce 1. Ouais, si tu m'avais fait un coup de cac, là, j'étais mort. Il y a double abattement. C'est un piège, ça fait deux fois que je croise aujourd'hui. Ou trois, je sais plus. Ça fait deux fois que j'essaye.
Kexto. Saint-Fiage qui se met en ligne de vue. Oh là là, quel Rox, mais quel Rox! Et mettez-moi autre chose que les Sram et les FK, s'il vous plaît. En plus, c'est quoi cette map? C'est quoi cette map? C'est rien. On va jouer Terre d'Opou. Alors dans ce cas, on espère juste que le mec, il joue pas Gravita. Ça peut le faire. C'est quoi comme FK? 200, d'accord, il est Terre. Alors les FK qui jouent 200 Terre. T'inquiète pas, il joue pas Escurse. Hein. Tacle ou pas? Et un petit peu de tacle, mais c'est pas un truc de fou. Et s'il joue distance, peut-être que s'il joue distance, il joue pas Gravita. Non, mais il n'y a aucune chance. Les mecs, ils sont tous matrixés en mode Gravita, Titanie. Non, non, non. Tu te trompes sur son compte, Uz, Rémi. Pourquoi? Il joue retour du bat. Retour du bat. T'as pas subi de retrait, là. Mais c'est vrai ce que tu dis. Attends. Ce serait l'élu? Le FK qui ne joue pas comme une victime? Le seul? Niveau 200 qui joue terre distance? Impossible. Impossible. Go tester sa résistance. Il résiste pas mal. Il résiste pas mal. 1200 HP. Bernie. Je vois pas de gravita. Par contre, je vois ma mort se rapprocher. Le bon out. Bouclier FK. Repli stratégique. D'accord. Bon. Tac. Tourne et retourne. Hop, ça engale. Truc de ouf. Travelling. J'attends qu'il tape. Ok, on n'a pas vu les dégâts. 3200 HP de mon côté. Il me rush, il est confiant, tant mieux. Et il est terre. Et je le tue. Jamais tu le tues. C'est quoi le titre de mon stuff? Le titre de mon stuff, c'est T2. Donc, si le mec me rush, que je suis en face de lui, il meurt. Un petit doute là d'un coup. Un doute me traverse la colonne vertébrale. Non, je le tue pas. Je les conteste quand même. Viens y voir ce sale tricheur. Ouais, j'aurais pas dû me la péter comme ça. J'ai frimé, je voulais pas. Comment ça, ivoire? Parce que moi, je joue avec un ivoire. Non, il joue pas avec un ivoire. En fait, le seul moyen de le tuer, c'était de choper deux tromperies haut. Pas une, deux. Il se met là. Ok, je préfère. Dommage poussé. On tente de faire un crit. Ok, tromperie. Mauvais alignement de planète. Hop. Je recule et je mets feu de détresse. Pourquoi tu joues pas Panda Feu? Des clés d'Orogium. D'Orologium. De quoi prendre à feu? Pourquoi je vais jouer pas à feu? En vrai, c'est fait fort. Bah vraiment, le meilleur panda, c'est le Ernel. Pardon. Le Dragoff. Baguette Dragoff, banger. Banger de ouf. Et sinon, feu, quand tu peux mettre l'ébène T1 avec une cape de classe, ouais, c'est marrant.